décembre 84, il tient la main de sa copine pour défier l'hiver. La nuit part pour être belle, mais elle se transforme vite en triste fait divers. Ils se croient seul au monde dans les ruelles, mais à l'évidence ils ne le sont plus. Deux skinheads en manque d'embrouille et d'adrénaline viennent leur tomber dessus. Une gifle pour éloigner la fille, les mecs le rouent de coups à deux contre un. Le visage contre le bitume glacé, voyant la mort arriver, il se sent contraint de sortir son arme, car il est tout sauf un enfant de cœur. L'un des skins meurt sur le coup, et l'autre hurle encore sa douleur. Tout est allé si vite, mais pourquoi ces mecs se sont retrouvés sur son chemin? La douleur physique n'est rien quand il la compare à la peur du lendemain. Il s'est rendu au matin, plaidant la légitime défense corporelle. Il est jugé en quelques mois et prend 10 ans de réclusion criminelle. Il pense souvent à eux. Il rêve tout le temps à elle. Il a beau regarder très loin, il ne voit pas le bout du tunnel. Il découvre le cauchemar, l'humiliation, les matelas crades, les pieds enchaînés lors des transferts et les bagarres lors des promenades. Et alors qu'il subit depuis plus d'un an le système carcéral, une terrible nouvelle vient ajouter sa voix à la triste chorale. Il est porteur d'un étrange virus que le monde découvre craintif. 1985, nouvelle sentence, il est séropositif. Aucun traitement n'existe, plus rien à perdre, il se sent condamné à mort. Alors il va être le plus fou dans un monde où c'est la loi du plus fort. Il tombe dans tous les pièges, là où la spirale de la violence se corse. Et puisqu'on le traite comme un chien, alors il sera le chien le plus féroce. Il sort enfin au bout de 8 ans, l'avenir aussi triste que son paquetage. Les poches vides mais il sent plein de rage, alors il monte sur un braquage. Il se fait serrer un an plus tard et c'est le retour à la case cauchemar. À la case où tout est sombre et où la nuit dure des semaines isolées au mitard. Il ne pense plus à eux. Il ne rêve plus à elle. Il n'ose même plus regarder devant, il est trop loin le bout du tunnel. Ou alors ce bout du tunnel, il va falloir se le construire. Il sait que s'il ne tente rien, c'est dans ses murs qu'il va mourir. 9 octobre 94, date anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Il réussit son évasion et abolit lui-même son triste sort. Quelques mois de cavale seulement avant de rejoindre les murs tout gris. Quelques mois de liberté agitée avant de repeindre les murs d'oubli. Il est alors placé directement dans les quartiers de haute sécurité. À l'isolement pendant 5 ans, on lui dit que c'est tout ce qu'il a mérité. Quand il se regarde dans le miroir, il a peur de ce que le reflet lui montre. C'est vrai, ça n'a jamais été un tendre, mais la prison a fait de lui un monstre. Un malheur n'arrivant jamais seul, le sida se déclare, la maladie s'installe. Il meurt peu à peu sans assistance et dans l'indifférence la plus totale. 1995, à deux doigts de quitter la prison pour le cimetière. La trithérapie fait son apparition et lui remet doucement les pieds sur terre. Poussé à nouveau vers la vie et essayant de voir derrière les barreaux de fer, il se marie avec celle qu'il aime, ses sentiments réchauffent enfin l'atmosphère. Mais son jugement, toujours en attente, finit un sale jour par tomber. Pour évasion et braquage, il prend 30 ans, le bout du tunnel s'est estompé. Pourtant, il garde en lui l'espoir, il a tellement tutoyé la mort. Il se sent invincible, c'est sûr, il sait qu'un jour il retournera dehors. En 2000, il se met à écrire sa nouvelle arme pour survivre face au système. Il gratte jour et nuit, ce n'est plus lui désormais, mais c'est son stylo qui saigne. Il écrit son premier livre et tient en ligne le premier blog d'un prisonnier. Ses œuvres transpercent les portes blindées, maintenant plus personne ne peut nier qu'il est vivant, qu'il existe, qu'il réinvente le mot avenir. En 2008 naît sa fille, l'amour et la vie ne sont plus des souvenirs. Il a les mains sur ses stylos, fini le temps des mains en l'air. Avant je m'évadais au pistolet, aujourd'hui je m'évade à l'épistolaire. Il sort en janvier 2010 avec des projets et des repères. Après 25 ans passés dans un tunnel, Laurent a rejoint la lumière.